Hey, bonjour à tous, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Alors on se retrouve pour notre nouvelle aventure sur Spider-Man 2, la revanche d'Electro sur PS1. Et il y a quelques temps, j'avais fait le 1 sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et comme dans l'aventure de Spider-Man 1 sur PS1, eh bien je vais changer de costume à chaque épisode, et il y en a vraiment énormément, waouh. L'alter ego de Peter Parker, l'incroyable Spider-Man, doué d'une force surhumaine et d'une agilité surprenante, l'araignée colle aux parois et lance sa toile, ce qui en fait l'un des plus grands super-héros existants. Spider-Phoenix. Que se passe-t-il lorsqu'un héros mordu par une araignée radioactive possède la force du phénix? Tous les bandits de la galaxie se tiennent à carreau. Prodige. Prenez 3/4 de Spider-Man, ajoutez 1/4 d'avion de chasse et une pointe de malentendu. Dusk, encore plus furtif qu'avec son costume noir. Dusk surgit de l'ombre et fond sur sa proie. Spider-Man tel qu'il apparaît sous la patte du désormais légendaire Alex Ross. Le costume d'Alex Ross, également disponible en blanc. Vous n'avez pas lu Earth X? Spider-Man a eu la gentillesse de vous dessiner le costume de Venom 2. La zone négative est un monde alternatif, étrange et parfois terrifiant. Un héros peut y vivre toutes sortes d'aventures. La symbiote qui fait maintenant équipe avec Venom était le costume préféré de Spider-Man, jusqu'à ce qu'il réalise qu'il s'agissait d'un être vivant. Le costume porté par Miguel O'Hara pour faire régner l'ordre en l'an 2099. Coincé sur la contre-terre, notre héros revêt le costume nanotechnologique de Spider-Man Unlimited. Vrai costume ou farce de super-héros? L'incroyable Sackman. Issu de Maximum Clonage, voici la Scarlet Spider. Ben Reilly, qui a de sérieux problèmes d'identité, a laissé New York avec un Spider-Man de trop. Quand ceux que l'on aime sont en danger, on n'a pas toujours le temps de se faire beau. Et bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel costume vous voulez que je mette. Et pour ce premier épisode, eh bien on va mettre le Scarlet Spider. Issu de ma... Ouais, tais-toi. On va commencer une nouvelle partie. Résumé des épisodes précédents. Ah, ah, qui ose? Essayez donc de t'en prendre à moi, mon fiette. Peterman? La machine d'Octavius. Mais c'était Eddie Brock. Nut Spider-Man, je ne peux pas croire que tu sois responsable de ce vol. Mais je dois vérifier. Et la question du jour est, où est le rayon? Non! Phase interminée. Passons à la phase. C'est Hawk? Et l'épisode d'aujourd'hui, Spider-Man 2. Thank you.
Bienvenue, chers amis. Ici Stan Lee qui vous propose une nouvelle histoire fabuleuse de super-héros. On dirait que notre tisseur préféré s'est encore fourré dans de sales draps. Alors, préparez-vous à l'action et à quelques révélations fumantes. T'as pas fini ta phrase ? Hé, hey, le fauve ! Mais qu'est-ce qui t'amène ? Pas une attaque des sentinelles, j'espère. Salut, tisseur. J'ai de la chance de te trouver pendant ta petite ronde. Je pensais que tu apprécierais les quelques informations que je t'apporte. Merci pour le petit coup de patte, le fauve, mais c'est mon métier et je peux m'en tirer tout seul. Eh bien, on va voir. Dis-moi d'abord de quoi il s'agit au juste. Voilà ma fidèle Spider-Boussole. Elle m'indique où aller quand je suis en mission. Je te crois sur parole. Mais toi qui es si malin, arriveras-tu à me suivre ? Eh bien les amis, c'est parti pour Spider-Man 2, la revanche d'Electro sur PS1. Et ce n'est plus l'horrible chat noir dégueulasse qui nous donne des conseils, mais bien le fauve. Le fauve qui n'est pas trop mal fait, hein. Excellent, tisseur. J'ai vu ces trucs-là un peu partout en ville. Ah, une cartouche de toile. Une cartouche de toile, on prend par contre niveau scénario. Eh bien, je ne m'en souviens plus tellement, donc ça va être une redécouverte avec vous. C'est quoi ça ? Cet immeuble a l'air éloigné, mais si je saute tout en lançant ma toile, je devrais l'atteindre. Ok. Oh, mon sens d'araignée s'affole. Alors toi, on peut te défoncer, on va faire une petite boule de toile, voilà ! Quel comité d'accueil ! Pour viser ces affreux, il suffit d'enfoncer la touche L1. Alors, L1 et triangle. Waouh, c'est super sensible. Ah, et ça bouffe énormément de toile. Oh, waouh, waouh, waouh. Allez, décède. Ok. Des jours sont comptés, tisseur. Ouais, il n'avait pas vraiment des têtes de touriste. Oh, yeah, toujours les petites vannes de Spider-Man. Remarquable, Spider-Man. Je parie que cela pourrait te servir. Ceci me redonne plus d'énergie. Je suis au top de ma forme. Je suis au top de ma forme. Alors, la Spider-Boussole nous indique par là. Et par contre, dans ce jeu, par rapport à Spider-Man sur PS1, eh bien, il y aura moins de niveaux cloisonnés. Dans Spider-Man 1 sur PS1, on était souvent sur des toits et on n'a plus de boussole. Oh ! Ouais, je sais pas, la boussole ne revient pas, donc bref. J'étais en train de dire que dans Spider-Man 1 sur PS1, on était soit sur des toits, soit dans des niveaux très fermés. Mais là, ça va être un petit peu différent. Voilà qui est curieux. Facile ! Avec le mode visé de la touche L1, je peux envoyer ma toile à l'aide de la touche R2 quand la cible est verte. Impressionnant. Il faut tout de même être prudent. Ah, je peux pas tourner la caméra. Ok. Donc, L1, on maintient, et... sur... oh là là, les contrôles... sur toi. Et on va aller en face, et normalement, dans le prochain niveau, eh bien... non, mais la caméra, je veux tourner. Ouais, tant pis. Ça va être un petit peu spécial. C'est quoi ça ? Un sans faute jusqu'ici. Tu y es presque, Spider-Man. Ok, merci de ton intervention. C'était sympathique. Non ! Tais-toi ! Il est à moi. Dégage. Appuie sur R1 pour monter à la toile. Ah ouais, c'est vrai, on peut remonter vite. Mais ouais, je sais pas, j'ai toujours pas récupéré ma boussole. What the fuck? Eh bien, on va en face. Non mais franchement, j'ai trop le réflexe de vouloir tourner la caméra, mais ça marche pas. C'est moi qui fais un truc mal ou pas? Ouais, j'en sais rien, donc... si vous savez, n'hésitez surtout pas Excellent. À m'aider en commentaire. Où as-tu appris te servir de ce lanceur de toile, tisseur ?
Appuie sur L2 pour faire défiler les cibles. Je peux les ramener en lançant de la toile et en appuyant sur bas. Les frapper, puis les envoyer voler en appuyant deux fois sur coup de poing. Dans le 1, on pouvait, non? Donc, des méchants, ils sont par là. On va tous les massacrer. Mais où est-ce qu'il y a personne? Et là, il y a du monde. C'est un peu trop loin. Waouh! Hey, salut! Un petit dôme. Hop là! Une petite boule! Une petite boule! Je ne vise pas bien. Tiens, mange. Les jours sont comptés, tisseur! Il me semble que la sécurité de cette métropole est entre de bonnes mains. Si jamais tu as besoin d'aide, n'hésite pas à nous rendre visite à l'Académie des Mutants. Tu pourras t'entraîner dans notre salle des dangers. Pas de problème, Fauve, et merci pour ton aide. Alors, attendez, je vais aller récupérer un peu de vie. Et je pense qu'on arrive à la fin de ce niveau didacticiel. Faire quoi là? Il est temps de jouer les héros, tisseur. Il n'ira pas loin avec cette araignée espion. Hey, mutant dégénéré! Ces types sont vraiment très louches. Et à la mort, l'araignée. Et voilà, les amis, nous sommes dans la ville. Et ouais, ça, c'était complètement bon, eh bien, je crois différent qu'il est temps de Spider-Man à l'action. 1. Mais taisez-vous, laissez-moi parler. C'est une ville, encore une fois, très fermée. Hein, mais dans Spider-Man 1, on n'était que sur des toits, ou dans des niveaux fermés, ou quand on était dans la rue, c'était pour combattre des boss, comme Venom ou le Rhino. Ok, j'ai tourné autour. Et qu'est-ce qu'on a en face? Je ne vous dérange pas au moins. Tes jours sont comptés, tisseur. Ah ouais, c'est vrai. Hé, hey, qui va payer la casse? Viens par là. Voilà. Et normalement, on peut éteindre ça, non? Comment on Comment éteindre ça? Il me faut de l'eau et pas qu'un peu. Il faut que je fasse sauter cette bouche d'incendie pour éteindre le feu. Ah, voilà! Et je me suis fait emporter! Ça a marché! Voyons s'il y en a d'autres. Ok, c'est parti! On va déjà passer par la ruelle. Dans mes souvenirs, il y a un truc à faire. Ou pas? Une embuscade! Comme c'est original. Tout ce beau monde, rien que pour moi. Tes jours sont un petit dôme, fais-moi un dôme. Et voilà, encore un. Et des CD, il en reste encore deux, quoi? Comment ça? Comment ça? Les runes sont vraiment pas sûres. Ah, mais voilà, par là, il y a une voiture et deux méchants. Ils vont faire quoi, là? Et la voiture a pété. Je doute que le proprio soit assuré contre les vandales. Voilà. Ouais, ça marche. Voilà, un petit coup de peinture et elle sera comme neuve. Ouais, pas sûr, hein. Spider-Man, 10, méchant, 0. C'est ce qui s'appelle prendre une tôle, les gars. Le signal de mon araignée espion s'affaiblit. Bon, je ferais mieux de passer par les toits pour suivre ma boussole. Et là, on va pouvoir retourner directement sur les toits. Ça aussi, c'était différent par rapport à Spider-Man sur PS1. Hein. Encore un petit peu plus haut. Vas-y, vas-y, continue, on s'arrête pas, on monte. J'y suis presque. Par contre, on est sur PS1, donc je pense qu'il va y avoir un chargement. Ouais. Ok, le signal de mon araignée espion est plus net d'ici. Ma boussole devrait m'amener droit sur eux. Eh bien, les amis, on va s'arrêter ici pour cet épisode numéro 1.
de Spider-Man 2, la revanche d'Electro sur PS1. N'hésitez surtout pas à me dire en commentaire quel costume vous voulez que je mette. Et je compte sur vous pour mettre un max de commentaires, un max de likes et à vous abonner à la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et jouez bien. Salut.